Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce replot de cet Indie Inventum vroom vroom sur le jeu Defunct dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions. Si nous voilà arrivés à la fin de ce réupload de cet Indie Inventum Vroom Vroom sur le jeu Defunct. Donc ce jeu en fait, vous incarnez un robot qui est tombé de son vaisseau cargo poubelle. En fait c'est un vaisseau qui enlève des poubelles et choses comme ça. Et donc il est pas qu'il est tombé mais en fait il était défectueux, c'était un robot défectueux. Et en fait, vous êtes un robot monocycle, ça veut dire que vous avez une seule roue. Et donc, en fait, vous devez avancer, mais vous n'avez plus de moteur, en fait, sur le robot. Il est défectueux, donc voilà. Donc, il faudra que vous utilisez les pentes pour vous aider, les effets de vitesse, les effets, les effets de synergie, tout ça, donc voilà, vous devrez vous aider de ça pour avancer et donc avancer dans les niveaux pour eh bien suivre justement votre vaisseau cargo poubelle qui s'en va pour le rattraper, voilà, pour retourner dedans. Ce sera votre but dans le jeu, voilà, ce qui est assez rigolo. Et donc c'est un jeu en même temps de course et en même temps de plateforme, donc ça mélange les deux. Donc je vous le conseille si vous le recherchez. N'hésitez pas à vous tourner sur vos navigateurs internet ou sur les plateformes où il se trouve, principalement pour Steam, sur Steam sur pour ma part. Donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté. Et donc si vous aimez ce concept des Indie Inventum qui vous présente le jeu en début et enfin juste en visuel pour chercher, pour piquer votre curiosité, voilà, c'est tout ce que ça fait, parce que ici on se focalise sur le dessin, ce qui est le point central justement qui est au milieu. Donc c'est que le dessin en fait, là c'est juste un dessin, le dessin de personnage. Donc c'est en re-upload justement parce que avant c'était un autre format et maintenant j'ai décidé de le mettre au format des mêmes Indie Inventum que maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce concept, à mettre un pouce levé et donc ça aidera la chaîne. Et si vous l'aidez encore plus la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner à celle-ci pour montrer votre intérêt à celle-ci, que c'est intéressant ce qui est proposé. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux différents réseaux sociaux pour encore plus montrer votre intérêt et donc en savoir plus sur la salut tout le monde les gens prod, et à aussi aider à ce que vous puissiez partager le contenu, partager au TT selon votre préférence, hein, de réseaux sociaux bien sûr, et donc de partager et d'aider à une meilleure visibilité de la chaîne, et donc plus une meilleure visibilité, plus de chances que des gens viennent voir les vidéos et donc émettre des commentaires que vous avez aussi en dessous de la vidéo, que vous pouvez donner aussi, et donc apporter votre pierre à l'édifice en émettant une critique, un avis, une question, et donc d'avancer dans cette amélioration et donc de faire améliorer cette chaîne. Par contre, les critiques non constructives et ultra négatives seront supprimées, hein. Voilà, c'est tout, c'est juste pour vous dire ça, c'est justement pour faire en sorte d'améliorer la chaîne et que tout ça soit dans le calme et dans la bonne humeur bien sûr. Donc voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous et bien une prochaine vidéo ou un prochain réupload. Allez, salut à tous.